Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire, le monde médical, mais aussi les ex-ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ces auditions. Aujourd'hui, celle de Martin Hirsch, le président des hôpitaux de Paris, et celle de Christophe Gauthier, directeur du CHU de Strasbourg, deux régions en première ligne pendant l'épidémie. Nous attaquons la crise, si je puis dire, dans les pires conditions. Il nous manque à peu près 1000 personnels soignants de postes vacants, phénomène qui s'est accentué pendant toute l'année 2019. Et nous nous trouvons donc dans une situation dans laquelle il faut avoir conscience que nous avions des lits de soins critiques qui étaient fermés été comme hiver par manque de personnel, pour des raisons structurelles, dont j'espère qu'elles seront corrigées rapidement, puisque vous y avez allusion à ce qu'il fallait pour se préparer pour la suite. Et malgré cela, nous avons pu quasiment tripler nos capacités de soins critiques avec une mobilisation du personnel, des changements d'horaire, la mobilisation de renforts à hauteur d'environ 10 000 personnes, incluant sous l'autorité du doyen des doyens les personnels en formation, qu'ils soient étudiants en médecine ou qu'ils soient étudiants en infirmier, et également des équipes qui sont venues de toute la France en renfort. Et c'est pour ça que nous considérons que nous devons le rendre quand il s'agit aujourd'hui d'aider la Guyane qui connaît des difficultés. Je vais prendre juste quelques minutes pour dire, je pense que vous êtes aussi informés, vous êtes très informés, du point de vue de la direction de l'assistance publique, quels sont le type de décisions importantes qu'on a été conduit à prendre. L'une des décisions importantes a été de s'organiser complètement en mode de crise en faisant quelque chose qui est simple, c'est que d'appliquer le plan blanc. La deuxième chose qui est très précoce, c'est d'avoir créé un dispositif qui s'appelle Covidom, permettant de prendre en charge des patients sans qu'ils aient besoin de se déplacer ou de venir à l'hôpital. Pendant cette période, on a pris en charge 75 000 patients. 15 000 patients dans nos lits, 60 000 patients dans leur lit. Covidom, qui est un système de suivi à distance et qui a été organisé de manière remarquable, je ne mets pas les lauriers pour moi, mais les lauriers pour les acteurs, puisqu'il a fait participer à peu près la moitié des médecins généralistes d'Île-de-France qui ont intégré, inclus et suivi des patients. Ça a changé la donne. C'est parce que nous savions que nous utilisions toutes les places que nous pouvions ouvrir, que nous avons exprimé le besoin de non seulement avoir le recours des professionnels qui venaient nous aider, mais de pouvoir procéder à des évacuations sanitaires. Et les évacuations sanitaires ont eu lieu. Elles ont eu lieu entre la fin du mois de mars, je crois, entre le 26 mars et les trois semaines qui ont suivi. Elles ont sauvé des vies. Les évacuations sanitaires ont sauvé des vies. J'entendais récemment des critiques disant que c'était de la paillette. La paillette ne sauve pas de vie. Les évacuations sanitaires sauvent des vies. Elles ont sauvé des vies en Île-de-France et je pense que mes collègues de l'Est ne diront pas différemment pour ce qu'ils ont connu. Donc le CHU de Strasbourg a été très tôt concerné évidemment par cette vague épidémique. Nous avons hébergé notre premier patient le 25 février. Et pour vous donner une idée de la cinétique de l'épidémie, le 3 mars, nous avions un premier patient en réanimation. Le 16 mars, il y avait 149 patients Covid, dont 54 en réanimation. Et le 2 avril, nous atteignions notre pic avec 601 patients, dont 180 en réanimation, ce qui donne l'idée de la cinétique, encore une fois, à laquelle nous avons été confrontés. Nous avons été jusqu'à 425 lits spécialisés pour l'hébergement du Covid, alors que l'unité de maladies infectieuses n'en comportait que 40 à l'origine. Et puis surtout, les capacités de réanimation qui ont été multipliées par un coefficient de 2,5. À l'échelle du territoire, c'est pratiquement un coefficient de 3 qui a été utilisé, et ce qui a été l'enjeu le plus important, évidemment, dans la mobilisation à la fois des équipes, du matériel. Nous avons réussi à passer le cap grâce à la solidarité nationale et internationale
en entamant une politique de transfert dès le 22 mars. C'est le premier transfert à destination de l'Allemagne. Et nous avons également inauguré, si j'ose dire, le premier train médicalisé qui est parti de Strasbourg le 26 mars. Je rejoins tout à fait les propos de Martin Hirsch. J'étais un peu heurté par ces polémiques récentes sur l'intérêt de ces évacuations sanitaires. Elles ont été indispensables pour permettre à chaque patient de pouvoir bénéficier des soins adaptés à son état. Et pour arriver à la conclusion, sur les 1856 patients que nous avons accueillis au CHU de Strasbourg, dont 492 en réanimation, tous, et j'insiste là-dessus, ont pu bénéficier des soins adaptés à leur état, y compris en réanimation lourde, grâce à ces dispositifs d'évacuation sanitaire. Ça a été tout à fait capital. Monsieur le directeur général de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, peut-être une précision, puisque bon, ce n'est sans doute pas le sujet essentiel de cette audition, mais on a vu les polémiques, bon, que personnellement je trouve un peu inopportunes, mais bon, elles s'installent et il vaut mieux les clarifier, qui ont eu lieu. Nous avons tous vu votre prise de position par rapport aux déclarations qui avaient été tenues ici même par le professeur Raoult sur des chiffres qui ont été publiés. Donc peut-être, préalablement aux questions qu'on peut vous poser, il serait utile, sous contrôle, Madame la Présidente, que vous ayez peut-être une expression sur ces deux sujets qui ont fait débat. Oui, bien sûr, Monsieur le rapporteur. Je viens de prêter serment, comme j'imagine le professeur Raoult avait prêté serment. Effectivement, je me suis permis de, après avoir vu les réactions que cela suscitait au sein de la paix, de réagir en tout cas sur deux points. Premier point, sur deux accusations graves qui sont portées. La première accusation, c'est qu'on aurait laissé ressortir par ignorance et par incompétence un patient atteint de Covid, rentré chez lui, contaminé sa fille, puis ensuite qu'on l'aurait réhospitalisé. Ceci est mensonger. C'est d'ailleurs publié dans les revues scientifiques, puisque dans les revues scientifiques, les premiers cas ont été un à un décrits. Le patient dont il est question est rentré dans un service d'urgence le samedi 24 ou 25 janvier, a effectivement, compte tenu des critères qui étaient portés par Santé publique France, pas considéré comme suspect de Covid à l'époque, mais traité comme tel, c'est-à-dire qu'il a été masqué. Les personnels ont été masqués, il n'est jamais ressorti de l'hôpital, jamais ressorti de l'hôpital. Il est passé en réanimation et il est allé en réanimation dans le centre de référence de Bichat, où il a été pris en charge, sa fille a été prise en charge. Ce patient, pour des raisons qui sont expliquées dans l'article, est lui décédé, sa fille a été sauvée. Donc, je réfute ce qui a été dit sur notre négligence ou notre incompétence, c'est factuellement faux. Sur ce qui est des taux de mortalité en réanimation, qui vous ont été présentés en disant 43% à l'assistance publique, en s'appuyant sur une petite feuille du 14 avril, je pense que l'audition était à la fin du mois de juin, et en comparant à un taux de mortalité à Marseille qui serait de 16,7%, sous-entendant que nous serions des criminels, puisque nous aurions laissé mourir des patients avec un taux de mortalité triple de celui de Marseille, parce que nous n'aurions pas donné le médicament. C'était ça, à peu près, le raisonnement. Donc, là aussi, j'ai attiré votre attention sur le fait que le taux, sur plusieurs choses. D'abord, le taux de mortalité dans les services de soins critiques de la PHP ne sont pas de 43%. On estime, si on prend et si vous prenez... Alors, premièrement, nous ne savons pas et personne ne peut donner aujourd'hui le taux de mortalité définitif pour une bonne raison. Nous avons encore des patients qui sont en réanimation et que nous espérons sauver. Donc, le taux de mortalité ne sera connu que dans quelques semaines. Si on prend les taux de mortalité tels qu'on les voit aujourd'hui, on peut avoir deux sources. Une source qui est Civique, qui est le dispositif officiel, l'application pilotée par la Direction générale de la Santé, qui demande à chaque établissement de santé
de recenser tous les patients qui rentrent dans les services de soins critiques. Et il ressort aujourd'hui à l'AP à 25%. Et nous avons une autre mode de travail avec une cohorte mise en place et une étude de l'ensemble des cas un par un, et pour lequel nous estimons aujourd'hui que le taux de mortalité pourrait être de 31 à 35%. En tout cas, pas de 43%. Je ne prétends pas, et aucun d'entre nous ne prétend connaître celui de Marseille. J'attire juste le fait que les comparaisons comme cela dépendent de beaucoup de choses. Il se trouve que nous, à l'AP, on sait dire que plus de 10% des patients qui sont en réanimation ont eu besoin d'avoir recours à la circulation extracorporelle, passer du sang pour insuffisance, défaillance, et mes voisins pourront le dire mieux que moi, respiratoire, extrêmement forte. Je ne sais pas ce qu'il est dans les autres établissements, mais nous savons par exemple que par rapport à l'Italie, c'est beaucoup plus élevé, et donc que c'est des patients plus sévères. Deuxième chose, en fonction du nombre de patients pris en charge, quand vous avez peu de patients à prendre en charge, vous pouvez mettre des patients plus légers en réanimation, alors que quand vous avez beaucoup de patients à prendre en charge, vous faites en sorte que ce soit les patients graves qui aient accès aux réanimations, ce qui a une influence sur le taux de mortalité. Pour pouvoir comparer les taux de mortalité, il faut faire des études qui soient sérieuses. C'est pour ça que nous avons lancé un programme qui s'appelle COVID ICU, pour unité de soins critiques, permettant de pouvoir connaître les différences en connaissant l'âge, en fonction le taux de mortalité des patients de plus de 80 ans en réanimation est bien plus élevé que les autres. Donc si vous avez soit 4%, soit 6% de patients de plus de 80 ans, ça a une influence considérable sur vos taux de mortalité. Donc si vous ne connaissez pas l'âge, les comorbidités, l'état de gravité, etc., vous ne pouvez pas comparer. Et aujourd'hui, il n'y a à ma connaissance aucune étude scientifique publiée qui permet de comparer les taux. Donc je ne prononce pas sur les autres. Je dis que ce qui a été dit et sous-entendu sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux de la paix est contraire à la réalité aux chiffres. Alors, le courrier que vous avez transmis, comme celui de la Haute Autorité de Santé et du Comité scientifique, les courriers ont été transmis à chaque membre de la mission. Nous prenons acte de ce que vous venez de nous dire, sachant que chacun, l'un et l'autre, étant sous serment. Voilà, donc c'est un rappel pour toutes les auditions qui auront lieu. Et personne non plus n'est là pour juger l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, loin s'en faut. Mais au contraire, saluer le travail que vous avez pu faire. Donc voilà, j'aimerais que maintenant, on puisse passer justement à tout ce qui a pu se faire ou pas se faire, ou traîner, parce que c'est ça, la gestion de la crise qu'on doit voir. Merci au rapporteur d'avoir rappelé votre courrier. Je vais poursuivre sous votre contrôle, Madame la Présidente. Donc, ce document qui nous a été adressé, le registre REVA, qui date en effet du 14 avril, mais c'est un document exact, qui évoque un taux de 43%, mais à une date donnée. Une date donnée, mais c'est ça. Donc ce chiffre vient de là, puisque ça a été adressé à la... C'est un taux à la fois... Ce tableau vient de chez nous, mais ce tableau, si vous regardez la page d'avant, il est rappelé qu'il y a 50% des patients qui ne sont pas sortis, donc qui ne comptent pas dans le dénominateur. Par rapport à... Dans votre réponse sur ce sujet, on va plus, en tout cas en ce qui me concerne, on va plus en parler, mais vous évoquez notamment deux questions qui me paraissent essentielles sur la prise en charge des patients en réanimation. Parce que de façon globale, c'est poser la question, est-ce qu'on prend en compte toutes les personnes âgées, très âgées? Est-ce qu'il y a une forme de régulation ou pas? Donc, vous avez évoqué un âge des patients en réanimation, notamment des personnes très âgées. Puis, vous nous avez dit à l'instant, selon les cas, si on a de la place ou pas, on met que les cas les plus graves. Donc, comment s'est effectué, je ne sais pas si le terme est exact, mais la régulation dans l'accueil des patients dans les services de soins critiques? Alors,
Je ne vous donne pas la parole, mais prenez-la quand vous voulez répondre, quand une question s'adresse plus ou moins à l'un et l'autre. Hein, je ne veux pas qu'on monopolise toujours, mais quand le rapporteur pose une question, il s'adresse à l'ensemble et prenez la réponse qui vous, enfin, dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà, merci. Nous, notre côté, le travail qu'on a réalisé, ce qu'on vous exposait sur l'augmentation du nombre de lits de soins critiques, était pour ne pas priver de possibilité d'accès aux soins critiques les patients et de garder pendant toute la période de la crise une situation dans laquelle ce qui comptait c'était les critères médicaux. Est-ce que l'admission en soins critiques va aider un patient ou est-ce qu'on considère pendant la période est-ce qu'on considère que ça ne va pas l'aider? Et toutes les réunions de crise auxquelles on a assisté avec notamment mes deux voisins ont consisté à faire en sorte qu'effectivement on puisse maintenir le même type de critères en période de crise que les critères qu'utilisent les réanimateurs hors période de crise, ou même quand une réanimation est vide, un patient dont il pense que le fait de le soumettre au traitement agressif, de l'intuber, ne va pas l'aider. Qu'il n'y ait pas de différence dans ce qu'on fait en période de... Et c'est pour ça qu'on a fait l'expansion de ces réanimations. On s'est concentré, pour ce qui nous concerne, sur les patients les plus lourds en réanimation, ce qui explique ce que j'évoquais tout à l'heure, de ce taux extrêmement élevé de patients bénéficiant d'une assistance circulatoire, dite l'ECMO, de telle sorte qu'on puisse avoir, là où les soins sont les plus on dit les soins les plus lourds, les patients également les plus lourds. Ce qui nous a conduit à ne pas organiser de tri entre les patients. La réponse, elle est exactement dans le même sens. Nous avons été extrêmement attentifs à cela et tous les critères qui présidaient à l'admission en réanimation pendant la crise étaient identiques à ceux qui préexistaient avant la crise. Et l'âge est un facteur parmi d'autres et dans les critères d'éligibilité, la balance bénéfice-risque à l'admission en réanimation a toujours été pesée et, comme le disait un instant Martin Hirsch, c'est ce qui a conditionné cette expansion très importante des capacités de réanimation, de façon à ne jamais être sous le critère limitatif de capacité. Et c'est ce que nous avons réussi à faire, et je le soulignais tout à l'heure, dans le cas notamment des évacuations sanitaires, lorsque cette capacité maximale a été atteinte, de façon à permettre toujours, pour les patients, un bénéfice des meilleures techniques de réanimation possibles. Juste sur ce sujet, puis ça sera ma dernière question pour l'instant en tout cas. Dans vos deux régions, il y a eu des EHPAD qui ont été lourdement touchés. Dans le Grand Est, je crois qu'il y a eu dans un établissement plusieurs dizaines de morts. Également sur Paris, en Ile-de-France, des établissements lourdement touchés. Comment a été la relation avec ces établissements? Quel stade la prise en charge a-t-elle été effectuée? Bon, il y a eu un débat, vous n'ignorez pas, sur la prise en charge en amont de ces patients, sur la régulation. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû être hospitalisés plus tôt? Pourquoi ne l'ont-ils pas été? Est-ce que les médecins coordonnateurs de ces EHPAD ont eu un contact avec les autorités de régulation et comment ça s'est passé? Voilà, j'aimerais avoir sur ces points, parce que vous êtes deux régions où il y a eu des cas, il y en a eu dans d'autres, y compris dans la mienne aussi, très graves, mais comment s'est opéré ce lien? Alors, je pense que l'histoire de santé, de la création d'une équipe mobile, qui a été d'ailleurs sollicitée par l'agence, une équipe mobile qui était coordonnée par un médecin gériatre des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui a été en contact avec les médecins coordonnateurs des EHPAD à leur demande, enfin en tout cas qui s'est rendu pleinement disponible de façon à pouvoir évaluer, discuter des bonnes pratiques, répondre aux transferts ou aux demandes de transfert lorsqu'elles ont été formulées. Et c'est effectivement pour nous, ça a été un atout important dans cette création d'une unité mobile pardon, qui a été mise à la disposition des médecins coordonnateurs des EHPAD qui ont souhaité recourir à ces services et à ces avis.
Merci. Donc, je vais passer la parole à Jean-Pierre Door pour Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Oui. Mais, mesdames et messieurs les directeurs donc de l'AP et puis de Strasbourg, les questions qui ont été sujettes à discussion, c'était la pénurie. Pénurie des masques, ou pénurie des blouses, pénurie des matériels de protection. À quel moment ou à quel stade vous avez pu apporter une réponse efficace à ces pénuries? Et est-ce que vous aviez en stock, si on peut dire, les stocks dormants des masques de l'époque H1N1, H5N1, comme vous pouviez les avoir, et à quel niveau, quel stock, quel volume était présent à cette époque-là? La pénurie de médicaments en particulier, les fameux curares, les médicaments anesthésiques qui sont utiles en réanimation, comment avez-vous pu répondre à ces pénuries? Ont-elles été effectivement efficaces? Et puis je voudrais savoir effectivement comment s'est passé le lien entre les établissements publics qui sont les vôtres et les établissements privés, en particulier en Île-de-France, où certains établissements privés ont dit à un moment qu'il y avait eu du retard à l'allumage et qu'ils attendaient effectivement qu'il y ait une réponse et des transferts entre le public et le privé. Comment s'est organisée cette... Est-ce qu'il y avait une cartographie? Alors, je sais bien, c'était sous la direction de l'ARS, mais comment ça a pu s'organiser? Comment c'était jour par jour, le nombre de lits, le nombre de respirateurs? Vous aviez ces statistiques-là. Et puis, bien entendu, il faudrait avoir un bilan du renoncement des soins. On commence à en parler beaucoup, de savoir entre les interventions chirurgicales, entre les retards de renoncement aux soins, comment ça s'est passé dans les services de vos établissements. Moi, je suis dans un service régional, donc j'ai vu comment ça se passait, où on pouvait différer. Mais dans les hôpitaux comme la Pitié-Salpêtrière ou les autres hôpitaux au Strasbourg, comment ça s'est passé sur le plan de ce renoncement de soins? Est-ce que vous avez déjà des bilans ou des statistiques? Merci. Merci. Alors, je vais vous demander de prendre des notes parce que je vais passer deux ou trois questions de parlementaires. David Habib pour les socialistes. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais d'abord vous interroger juste sur la pénurie. On se souvient tous à la fois du fait que la ministre de la Santé nous avait indiqué que dès le mois de décembre, à la fin du mois de décembre, elle mesurait les effets de ce qui allait arriver, et en même temps que la première commande, c'était 1,5 million, c'est bien ça, de masques fin janvier. Est-ce que vous pourriez nous dire, juste pour notre information, soit sur Strasbourg, soit sur Paris, les besoins en masques qui sont les vôtres pour une semaine, les besoins hospitaliers? Deuxième sujet que je souhaite aborder, c'est la question de la fin de vie. Dans quelles conditions les personnes atteintes du Covid-19 sont-elles décédées dans vos établissements? Quelles consignes particulières avez-vous données à vos personnels pour les accompagner dans ces moments qui étaient douloureux pour aussi votre personnel? Comment vous avez géré cette situation en gérance? Et y a-t-il eu, pour parler très clairement, vous avez répondu en partie à notre rapporteur Eric Ciotti, mais je souhaiterais que les choses soient claires, y a-t-il eu un tri des patients? Deuxième volet, c'est la situation du personnel soignant. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de personnels soignants qui ont été victimes du Covid, le nombre malheureusement de personnes, de personnels qui seraient décédés ou sont décédés du Covid? Quels ont été, comment vous avez géré les cellules post-traumatiques, les cellules d'accompagnement? Est-ce que vous avez pu faire appel? Vous l'avez dit, Monsieur Hirsch, tout à l'heure, il manquait 1000 en 2019, 1000 postes. Comment vous avez pu gérer l'appel au renfort de personnel? Et puis, dernier point, et j'en finis, Madame la Présidente, vous avez parlé d'évacuation sanitaire. Ma question s'adresse aux tous les deux, mais je pense que Christophe Gauthier comprendra peut-être cette question. Vous avez fait appel à l'Allemagne. Inversement, moi, je n'ai pas vu de patients étrangers venir en France. Et dans un département qui est celui du Pyrénées-Atlantiques, il y avait 60 lits en réanimation. Il n'y a pas eu, il y a eu pratiquement aucun lit proposé aux autorités espagnoles. Qu'est-ce qui ferait, alors je ne vous demande pas, vous n'êtes pas ministre de la Santé, en tout cas pas à l'heure, mais qu'est-ce qui ferait
qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il y ait une gestion qui soit davantage européenne de ce type de pandémie? Comment on peut apporter une réponse au niveau des autorités européennes? Merci. Et Sophie Occoni? Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Directeurs. Lors d'un interview dans Les Échos, Monsieur Hirsch, du 24 mai dernier, vous avez indiqué un certain nombre, vous avez mis en exergue un certain nombre de problématiques que rencontrent le personnel hospitalier et la gouvernance hospitalière. Vous indiquez que dans le cadre de cette crise, nous avons su dépasser un certain nombre de clivages, un certain nombre de pesanteurs. Vous indiquez que sous prétexte de qualité et de sécurité des soins, l'hôpital français est le plus normé au monde, ce en quoi je suis totalement d'accord avec vous, et ce depuis 20 ans, que la pesanteur et les pesanteurs bureaucratiques vous empêchent de travailler, empêchent une certaine forme d'efficacité au sein des services hospitaliers, que les clivages entretenus entre l'administratif et le médical, le pouvoir administratif, le pouvoir médical, notamment dans la gouvernance des hôpitaux, est un véritable sujet. Moi, c'est toujours ma question dans le cadre de cette commission d'enquête. Est-ce que notre organisation est réellement efficace? Il faut que cette commission d'enquête participe à améliorer le fonctionnement de l'organisation de la santé dans nos territoires, mais aussi des gouvernances des hôpitaux. Quand je vois qu'il y a 10 salariés administratifs pour 10 personnels soignants, je me demande si c'est gage réellement d'efficacité ou gage de suradministration lourde. Enfin, la rigidification des statuts, vous nous indiquez que dans ce cadre, que c'est une réalité et que pour sortir, qu'un certain nombre de personnels sort du cadre qui devrait les protéger parce qu'il est trop complexe. Je vois aussi, par exemple, tout ce qui est lié à l'intérim des médecins qui démissionnent de leur poste à l'hôpital et qui viennent 10 fois plus rémunérés, d'après certains, en intérim à l'hôpital. Comment peut-on mettre un terme à ce genre de dysfonctionnement qui, évidemment, impacte le budget des hôpitaux en général? Merci. Alors, Monsieur Gauthier, je ne sais pas, moi, vous organisez. Je veux bien démarrer, si vous permettez, sur quelques... D'abord, sur les masques, évidemment, qui est un sujet de préoccupation majeure, je vais essayer d'apporter quelques éléments, monsieur le député, précis. Sur les masques, nous sommes bien sûr dans la suite, et votre commission en a été saisie, de l'instruction du 16 mai 2013, donc, qui confie évidemment à l'employeur la responsabilité de son stock. Elle a été complétée aussi par une instruction du 15 mai 2014 sur la gestion du stock tactique. Et donc la gestion du stock tactique fait l'objet d'une description, d'un financement d'ailleurs, par une mission d'intérêt général, avec un objectif très, très défini par les circulaires. La façon pour nous de faire face à cette obligation, ça a été la passation d'un marché ouvert. Un marché ouvert, d'ailleurs par l'intermédiaire d'une centrale d'achat et à peu près tous les CHU et marges à ce marché, avec donc une possibilité de commande non fermée en quelque sorte et tout à fait adaptée évidemment aux besoins. Je vais en donner quelques illustrations pour le CHU de Strasbourg. En consommation mensuelle moyenne au CHU Strasbourg, sur les masques chirurgicaux, nous en consommons 114 000 à peu près, et nous avons un stock qui a été un stock maximum de 125 000 masques, dont 30 jours de stock sur les masques chirurgicaux, avec une procédure de déclenchement de nouvelles commandes dès que le stock descendait à un niveau, en l'occurrence, autour de 20 jours. Le délai de rapprovisionnement était un délai moyen de 5 jours, donc vous voyez qu'on a été toujours en théorie en capacité de pouvoir nous approvisionner. La seule chose qui n'était pas prévisible, évidemment, c'est la rupture de la filière d'approvisionnement. C'est l'incapacité qu'ont eu les fournisseurs à pouvoir répondre aux commandes que nous passions. Mais le système lui-même, dans un système dans lequel cette filière d'approvisionnement aurait été continue, n'aurait pas posé de difficultés. Puisque, encore une fois, ce seuil de déclenchement de nos stocks nous a toujours permis, évidemment, de faire face. Pour répondre très précisément à la question de monsieur le député, nous avons eu des tensions qui sont apparues à peu près
au milieu du mois de février. Et nous avons commencé à être livrés sur le stock national à compter du 6 mars. Et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, nous avons eu 8 livraisons entre le 6 mars et le 11 mai qui nous ont approvisionné à hauteur de pratiquement 2 millions de masques chirurgicaux. À aucun moment, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, nous n'avons été confrontés à une pénurie nette, c'est-à-dire que l'ensemble des masques, en conformité des doctrines d'utilisation, et si vous voulez, je pourrais prolonger cet élément, ont toujours été présents grâce à l'approvisionnement sur le stock national. Donc nous n'avons pas eu de rupture nette de masques, nous avons eu des phases évidemment de tension, notamment dans la phase du 4 au 23 mars, et en application de la doctrine qui a été un peu plus restrictive sur l'utilisation du masque FFP2, réservé simplement aux gestes invasifs, mais nous n'avons pas connu de rupture, et c'est heureux, dans l'approvisionnement de masques. Donc voilà pour répondre précisément sur cette question des masques. Sur les autres questions posées, peut-être, monsieur le député, sur la coopération établissement public et privé, elle a été assez remarquable dans notre secteur. Nous avons très vite installé une cellule de coordination à l'échelle de notre territoire qui a permis d'installer cette régulation et une participation active des établissements privés qui ont d'ailleurs obtenu de façon dérogatoire et rapide des autorisations de réanimation, ce qui leur a permis de pleinement jouer leur rôle dans l'accueil des patients. Donc pour nous, ça n'a pas été un sujet de difficulté et cette coordination territoriale a pleinement joué, je crois, son rôle. Les retards de soins que vous avez évoqués sont notre sujet de préoccupation. L'arrêt de l'activité chirurgicale qui a été chez nous massif, la difficulté aussi de reprise de cette activité, avec un certain nombre de règles qui viennent limiter la reprise pleine et entière de l'activité. Je pense à l'utilisation, bien sûr, des chambres à deux lits qui est rendue plus difficile. Je pense aux protocoles sanitaires très stricts qui ralentissent l'activité opératoire, font que c'est pour nous un sujet majeur de préoccupation. C'est peut-être même le sujet aujourd'hui de préoccupation pour lequel nous essayons de déployer tous nos efforts pour permettre un redémarrage le plus normal de l'activité avec une gestion des files actives de patients qui est réalisée au plus près par les équipes médicales et en particulier dans les sujets de priorisation d'intervention puisque les gestes semi-urgents ont été décalés, ils deviennent urgents maintenant et chaque équipe médicale fait un suivi extrêmement attentif des situations individuelles de façon à déterminer des critères d'éligibilité et de ne pas causer évidemment de dommages particuliers. Mais c'est évidemment un sujet tout à fait important. Pour répondre aux questions de monsieur le député, sur les fins de vie, elles ont été effectivement douloureuses pour les familles dans des conditions, on va dire, de strict respect des protocoles. On a tenté d'être dans la plus grande humanisation, en particulier en autorisant, même si c'était en légère dérogation par rapport au contrôle strict, des présences en service de réanimation pour les fins de vie, lorsque ces fins de vie étaient inéluctables. Et on a essayé d'être vraiment dans une approche qui conciliait à la fois l'exigence très stricte de l'observation des règles et en même temps la plus grande humanité. Je réponds de façon très claire à votre question sur le tri des patients. Il n'y a pas eu, monsieur le député, de tri des patients. Ce que je disais sur les critères de réanimation a été scrupuleusement observé et les critères qui ont été appliqués à un très grand nombre de patients étaient exactement les mêmes qu'avant le déclenchement de la crise, donc les critères médicaux sur l'éligibilité, sur le bénéfice-risque, encore une fois, de la réanimation, sans que le critère de disponibilité ne soit un critère qui vienne induire une notion de tri. Il est très important de préciser, et cela a été le cas pour l'ensemble de nos patients. Sur nos personnels, près de 600 de nos collègues ont été au CHU de Strasbourg atteints de Covid. Un seul décès sur un collaborateur occasionnel, d'ailleurs, un médecin vacataire, donc 600, c'est effectivement important, sur 12 500 salariés, avec un suivi extrêmement attentif de la part de la médecine du travail, des dépistages pour nous qui ont été systématiques, des mesures de précaution pour les cas contacts, avec un port de masque pour les cas contacts, qui nous ont d'ailleurs conduit, dès le 23 mars, à préconiser le port de masque généralisé pour l'ensemble des acteurs à l'intérieur des hôpitaux, compte tenu de la dissémination de ces cas, évidemment, et de la nécessité de pouvoir protéger leurs collègues. Donc on a été vraiment dans un souci majeur qui se poursuit aujourd'hui, la mise en place d'une cellule psychologique qui s'appelle Covipsy aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui suit effectivement nos équipes et qui le fait, je crois, de façon tout à fait attentive. Voilà en quelques mots les questions que je pouvais apporter sur... Alors,
Sur la question des masques, au début mars, d'abord sur la consommation de masques, pour répondre à votre question, l'année dernière, nous utilisions par jour 37 000 masques chirurgicaux et environ 3 500 masques FFP2. Au cours de ces dernières semaines, depuis ces dernières semaines, nous utilisons chaque jour 166 000 masques chirurgicaux et 43 000 masques FFP2. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur. Début mars, nous disposions d'1,2 million de masques chirurgicaux dans nos stocks, plus 1,8 million qui étaient commandés, et la commande s'est concrétisée quelques temps après, donc soit 3 millions de masques chirurgicaux et environ 1 million de masques FFP2. Plus, pour reprendre effectivement les stocks que nous avions des crises précédentes, environ 3 millions de masques dont on pouvait considérer qu'ils étaient au-delà de la limite de péremption, mais qui ont pu être utilisés et gardés pour éviter une pénurie. Puis ensuite, il y a eu des périodes difficiles où nous avions une incertitude sur combien de temps nous pourrions tenir avant. Comment ? De masques dits périmés, c'est ça ? Ou du stock ? 3,1 millions. 3,1 millions. La pénurie que nous avons connue est une pénurie sur les surblouses, où on a eu quelques jours pendant lesquels on a appelé la terre entière pour trouver des... Il y a une fin de fourniture de surblouses. On a appelé la terre entière. On fait partie de ceux qui ont commandé l'utilisation de sacs plastiques redécoupés pour utiliser en surblouse au cas où, et on en a commandé 1,2 million. On a testé la possibilité de laver des blouses pour pouvoir les récupérer et l'usage de blouses non jetables pour se protéger. Et cette période a été particulièrement inconfortable pour nos personnels. Pour nos personnels, nous avons à peu près 4 800 personnes identifiées comme ayant été atteinte par le Covid. J'ai mentionné au début de mon audition le fait que nous avons eu 5 décès. Et ce chiffre est sous-estimé par rapport à la réalité des personnes qui ont été en contact avec le Covid, puisque nous sommes en train de faire des sérologies qui ne donnent qu'après coup les données. Et je crois qu'il y a à peu près la moitié des personnels de l'assistance publique qui ont fait des sérologies. Et on se retrouve plutôt sur un taux a posteriori de 11, 12, 13% de personnel. Mais là aussi, ce sont des taux qui ne sont pas définitifs, mais qui montrent que pour 1 sur 2, c'est des personnels qui ne savaient pas qu'ils avaient été atteints. Juste quand on regarde la cinétique, la montée des contaminations se fait pendant la deuxième quinzaine de mars. Et en avril, on voit déjà décroître le nombre de personnels contaminés chaque semaine, au moment où le nombre de patients qu'on prend en charge est le plus élevé. Ensuite, il faudra tout un travail pour savoir quelles sont les conditions de contamination et les conditions de protection. Et en termes de date, c'est le 1er mars qu'on demande que le port du masque soit systématique dans les services d'accueil des urgences, dans les services d'accueil en général et pour les patients symptomatiques. Et la généralisation à l'ensemble des personnels, administratifs inclus, est décidée le 19 mars. Sur les questions que vous avez posées sur les instructions, d'abord sur le renoncement aux soins, sachez que pendant toute cette période, on a fait des transplantations, les grandes gardes ont fonctionné, etc. L'hôpital ne s'est pas esquivé de ses missions, même s'il y a eu effectivement un fort taux de déprogrammation et un renoncement aux soins de patients. Quoi. On a vu, y compris dans la période du mois de mai, des patients qui avaient peur d'aller à l'hôpital. On a organisé des circuits distincts pour les patients et je pense que
la possibilité de venir à l'hôpital quand c'est nécessaire revient, il ne faut pas hésiter à continuer à faire passer le message qu'il vaut mieux venir à l'hôpital quand on est appelé pour une visite de contrôle ou pour une coloscopie ou pour tous ces... plutôt que de s'abstenir. Sur les questions qui sont posées sur les consignes de fin de vie, il y a effectivement un groupe de travail qui a émis des consignes avec éthiciens, gériatres, réanimateurs, etc., qu'on a publié d'emblée sur notre site, puisque c'est un travail collégial, et je pourrais vous les fournir après. Si vous le souhaitez, les professionnels ont réalisé ce travail-là assez tôt dans la crise. Je voudrais en revenir à la question qui était posée sur les pesanteurs et le système le plus normé au monde. Je peux vous donner quelques exemples. Nous avons le droit de donner 15 heures supplémentaires par mois à nos personnels. Pour dépasser les 15 heures, il faut que j'envoie un courrier motivant le fait qu'une période de crise justifie qu'on puisse avoir 18 heures supplémentaires ou 20 heures supplémentaires. Donc je fais en général un courrier avant la grippe, un courrier avant la bronchiolite, un courrier avant la canicule, pour demander l'autorisation de pouvoir sortir de ce régime d'heures supplémentaires. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels il faut écrire au ministre, peut-être demain au directeur général de l'ARS, pour avoir le droit que les gens puissent être là à leur poste de travail quand on a besoin d'eux. Vous vous interrogiez sur les ratios de personnel administratif par rapport au personnel soignant. Nous devons payer 1500 personnes pour vérifier les droits de mutuelle des patients. 1500 agents administratifs dont le travail consiste à vérifier. Alors bien évidemment, on a pris des patients, mais ensuite, pour pouvoir se faire payer auprès de quelques centaines de payeurs différents, on a à peu près 1500 agents qui font ce travail. J'ai proposé que ce travail ne soit plus un travail d'hôpital, dont on peut être nombreux à considérer que le travail de l'hôpital est plutôt de soigner les gens. Et donc, par conséquent, on a proposé deux solutions. Le directoire de la paix a proposé deux solutions. Soit le système d'assurance maladie prend en charge l'ensemble des soins hospitaliers, soit ça peut être la caisse d'assurance maladie qui paye l'hôpital et puis ensuite se fait rembourser, etc. Je pense qu'il y a des systèmes pour cela. Mais effectivement, je préférerais pouvoir convertir ces personnes avec un plan de formation efficace en aide-soignant ou en infirmier plutôt que dans des éléments administratifs. Je pense par exemple aussi qu'avoir des personnels qui doivent aller vérifier que les patients payent le supplément chambre individuelle, me paraissait inapproprié avant la crise, me paraît très inapproprié après une crise pour laquelle l'objectif est de pouvoir mettre tous les patients dans des chambres individuelles plutôt que de leur demander s'ils demandent une chambre individuelle. Voilà un autre exemple. Il y a beaucoup d'exemples de cette nature. Je vais vous en donner un autre. Le fait que quand nous avons, je parlais des lits fermés de soins critiques, et quand nous constatons qu'il y a des infirmiers et des infirmières qui ont du mal à aller travailler en réanimation, où ils vont être soumis à d'autres contraintes que d'autres, à d'autres prises de risques que d'autres différentes d'une hospitalisation de jour en diabétologie, et que nous n'avons pas le droit de faire une différence de rémunération pour ces personnels, parce qu'il faudrait que le décret sur la NBI soit modifié ou que tel ou tel autre. Nous considérons qu'on serait capable de respecter les contrats qu'on nous donne. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que nous puissions adapter cela pour avoir des lits ouverts pour la bronchiolite l'hiver, pour la réanimation toute l'année, plutôt que de constater que nous ne pouvons pas ouvrir ces lits. Voilà le type de souplesse qui pourrait donner aux établissements hospitaliers pour qu'ils puissent mieux faire leur travail au service des patients. Monsieur le rapporteur. Peut-être une précision sur la définition à la fois des stocks
de matériel de protection, d'équipement de protection individuelle ou de masques que chaque établissement a constitué dans le cadre de la circulaire du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale de 2013. On en a beaucoup parlé ici. Comment ces stocks sont définis? Sur quelle base vous les aviez définis? Et est-ce qu'il faisait l'objet d'un contrôle ou d'une évaluation, notamment des ARS, respectivement? Comment on a mesuré l'évaluation de ces stocks? Ensuite, j'ai été un peu interpellé. Vous nous avez dit, M. Gauthier, donc, que le port du masque généralisé est intervenu chez vous le 23 mars et chez vous, M. Hirsch, le 19 mars. Ça veut dire presque un mois après le déclenchement du pic en Italie, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un délai très tardif et qui a quelque part pu fragiliser la protection des personnels soignants dans ce mois où le nombre de cas, enfin, on savait que la vague était devant nous et vous la subissiez déjà. Vous avez raison. Il y a deux éléments qui ont été pris en compte. Il y a l'élément des consignes établies par les hauts conseils et les hygiénistes qui ont conduit d'abord à avoir des conditions de port de masque assez restrictives, plus ouvertes au 1er mars et ensuite généralisées à peu près trois semaines après. Et puis la prise en compte des stocks, quoi. Moi, j'ai été confronté à cette question. On a été le témoin fin février, où la question s'est posée quand on a eu les premiers patients pris de l'Oise, venus à Thenon, des premières contaminations intra-hospitalières, et où la question a été posée par certains de passage à la protection des 100 000 personnels systématiquement, ou de maintien d'une protection plus graduée. Moi, j'ai pris en compte le fait que si je passais fin février à la consommation de 160 000 masques d'emblée, nous risquions quelques jours après de pouvoir être en difficulté pour ceux qui étaient au-devant dans les unités de soins critiques ou dans les services recevant des patients Covid. Donc oui, il y a eu une évolution dans les doctrines, clairement, j'allais dire indépendante de nous, et il y a eu une prise en compte de la difficulté qu'on avait à pouvoir reconstituer des stocks pendant cette période-là. Donc les deux ont joué. Et bien évidemment, je n'ai aucun doute que le fait que nous soyons aujourd'hui à masques pour tous à toute heure, quelque chose sur lequel nous ne reviendrions pas en arrière en cas de deuxième vague, bien évidemment. Oui, je rejoins tout à fait. Pardonnez-moi. Oui, je rejoins tout à fait ce que Martin, je viens d'évoquer. On peut distinguer trois phases. On a une phase du 22 janvier au 4 mars qui répond effectivement à un avis national du Haut Conseil de santé publique et à un mars du 28 février. On a une deuxième phase du 4 mars au 23 mars avec également un avis des sociétés françaises d'hygiène hospitalière. Et puis cette décision d'élargissement, nous la prenons aussi dans un contexte où nous avons longuement discuté, les dispositions de protection pour nous étaient indispensables pour les sujets contacts des collègues qui étaient réputés positifs. Et comme on a eu une forme de dissémination à l'intérieur de l'établissement, de proche en proche, on s'est rendu à l'évidence de la nécessité absolue de prendre une décision de masque pour tous. Et c'est venu comme cela, encore une fois, en déclinaison d'abord des différentes doctrines. On n'a jamais été à l'écart par rapport à la doctrine. Je redis également que par rapport à la doctrine, nous n'avons jamais été en situation de rupture nette. Ça, c'est très important dans le cadre de l'approvisionnement lié au stock national. J'en ai rappelé les chiffres tout à l'heure, 2 millions de masques pour le CHU de Strasbourg. Mais cette doctrine généralisation est venue effectivement dans la suite, pour nous, d'une politique de prévention des sujets contacts des collègues qui avaient été testés positifs.
Vous n'avez pas répondu à ma première question sur la définition des moyens tactiques. Mais vous n'avez certes pas été en rupture, mais dans votre réponse, vous indiquez qu'il y a eu une forme de régulation. Si les masques avaient été utilisés de façon générale plus tôt, vous auriez été en rupture. Oui. Je prends l'explication sur... Pardon, le stock tactique répond à une instruction de 2014. Hein, il porte essentiellement sur la définition d'un PSM, de tenue de protection individuelle, très normée d'ailleurs. Et qui pour... et il n'y a pas les masques d'ailleurs. Hein. Très peu de masques effectivement, puisque encore une fois on est dans une préoccupation qui est un peu différente avec des tenues de protection individuelle. Quant à la façon dont nous gérions nos stocks, je le rappelle, elle provenait... d'un stock de précaution qui, en termes de consommation normale, le CHU Strasbourg donnait 30 jours hein, pour les masques chirurgicaux et 80 jours pour les masques FFP2, et avec le principe du réapprovisionnement de façon illimitée, c'est-à-dire non limitée en termes de quantité, et c'est un principe qui aurait pu marcher de façon efficace s'il n'y avait pas eu rupture de la filière d'approvisionnement, ce qui était, au moment où nous avons établi cette doctrine, d'une certaine manière assez imprévisible. Merci. Pierre Daréville, le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. Au fil des questions, ce sentiment s'amende légèrement, mais j'ai un peu eu l'impression quand même dans la présentation que vous avez faite des choses d'une forme de positive attitude. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous n'avez pas été en colère quand même à la place où vous êtes face à la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé? Parce qu'en tout cas, moi, la colère, je l'ai ressentie. Chez les personnels, les gens qui m'ont interpellé tout au long de la crise, notamment au début, mais tout au long de la crise, sur les pénuries répétées. Donc vous nous dites on n'a pas été en rupture. Je me permets d'insister sur ce point-là. Vous n'avez pas été en rupture parce que aussi il y a eu effectivement une sorte de gestion pour essayer d'économiser les stocks. Et donc je pense que vous avez été confronté à des difficultés majeures. Je crois que vous devriez nous le dire comme ça, parce que nous avons besoin de le savoir, en réalité. Alors après, que ça a été compliqué à gérer, tout le monde peut l'entendre. Bon, première remarque, question que je voudrais poser sur les stocks. Est-ce que, avant la crise, vous n'avez pas déjà été amené à produire des arbitrages sur l'alimentation régulière de ces stocks, au regard des moyens dont dispose l'hôpital public? Était-il à jour en réalité, au-delà des besoins de la crise, était-il à jour au moment où la crise a survenu? Une question peut-être sur la distribution des masques au-delà des services consacrés à la gestion du Covid, parce que là aussi peut-être que le virus a circulé dans ces endroits-là alors que la protection dans les services Covid était elle sans doute assurée de bonne façon. Troisième élément sur les tests. Comment avez-vous vécu les consignes, transmis d'ailleurs les consignes sur les tests vis-à-vis du personnel, je parle. Vis-à-vis du personnel lui-même, est-ce que vous avez pu avoir disposer de tests suffisants pour connaître un peu l'évolution du virus aussi dans les personnels hospitaliers? Enfin, je voudrais savoir... sur le personnel qui a été mobilisé, si les primes leur ont été versées, y compris à ceux qui ont été parfois victimes de maladies pendant cette période et qui n'ont pas assisté à l'ensemble de la gestion de la crise. Merci. Anne Gente. Merci Madame la Présidente. Nous sommes là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, voire en tirer leçon, pour voir ce qu'on peut faire peut-être de mieux la prochaine fois. J'aurais voulu revenir sur l'adaptation du système qui, de mon point de vue de néophyte, m'a semblé tout à fait remarquable, qui est l'adaptation en termes de nombre de lits. On a beaucoup critiqué et notamment fait des comparaisons avec notamment l'Allemagne. Et moi, j'ai compris du système français qu'on avait trois types de lits. Vous les avez évoqués tout à l'heure, les lits de réanimation, les lits de soins intensifs, les lits de soins de suite, et que c'est finalement ces trois formats de lits qui nous ont donné cette souplesse de nous permettre de nous adapter à la vague qui arrivait. Avec néanmoins, puisque nous n'étions pas complètement préparés, j'ai compris des soucis d'équipement et de personnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc ma question est la suivante. Est-ce que finalement ce système
n'est pas le bon système de pouvoir s'adapter assez facilement? A-t-on vraiment besoin de deux fois plus de lits de réanimation, comme on l'a dit, que l'Allemagne en possède? Est-ce que ce serait vraiment justifié par temps normal, je dirais? Et si nous voulions nous préparer à une autre mise en tension du système, de combien d'équipements devrions-nous nous prémunir et de personnel pour pouvoir adapter rapidement notre système? Et de la même façon, s'agissant des personnels administratifs que vous avez évoqués tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la comparaison entre le taux de personnel administratif entre la France et l'Allemagne. Nous avons aussi auditionné Mme Bachelot qui nous a dit: qu'appelle-t-on un personnel administratif? Peut-on considérer qu'un technicien de radiologie est un personnel administratif? Je voulais aussi avoir votre retour là-dessus. Merci. Merci. Martine Vonner. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les directeurs. Plusieurs questions très précises à M. Hirsch. Vous avez déclaré, il me semble, début mars, très clairement, que l'hydroxychloroquine n'a jamais fonctionné sur quiconque. L'avez-vous dit sur des bases scientifiques? Et si oui, lesquelles? Avez-vous bien adressé des consignes pour ne pas l'utiliser dans vos services? Si oui, pourquoi? Et un essai avec le tocilizumab, pardon si ce n'est pas tout à fait justement bien dit, est mis en place dans vos établissements. Le 27 avril, vous intervenez pour vous réjouir peut-être des premiers effets de cette molécule. Le 29 avril, le ministre de la Santé lui-même reprend vos propos. Et le 30 avril, le comité démissionne. Au fond, n'y a-t-il pas eu perte de chance par rapport à l'utilisation de cette molécule? Pour M. Gauthier, deux petites questions. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup suivi avec l'Agence régionale de santé et Mme la préfète ce qui s'est passé dans le Grand Est, à partir de quand avez-vous pu tester votre personnel? Il me semble, vous avez précisé, 650 personnes ont été, ou 600 ont été infectés. Est-ce que vous n'étiez pas obligé, par carence en personnel, de redemander à ces personnels de revenir assez vite en service? Et s'il y avait eu une gouvernance peut-être plus souple qui vous aurait été offerte en absence des actions prégnantes de l'Agence régionale de santé, est-ce que la coopération avec l'énorme clinique privée RENA aurait pu être différente, et notamment en matière de personnel, puisque certains personnels à RENA sont restés en chômage technique pendant toute cette période de confinement? Je vous remercie, messieurs. Merci, M. Sandforger. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs, mes questions vont également pour M. Hirsch, parce que finalement, je vous vois assez prompt et rapide à réagir, et ça a des avantages comme des inconvénients. J'ai bien compris que vous avez écrit cette lettre pour finalement défendre le personnel de la PHP, et je pense que c'est un réflexe presque naturel et normal en tant que directeur d'une belle institution comme ça. Néanmoins, vous venez de nous dire et d'avouer que cette photo qui sort de vos registres, de l'URC, du registre EVA, 43% de mortalité dans la PHP au 14 avril, c'est en effet juste, et c'est une photo juste. Je n'ai pas compris quelque chose que vous dites. On oublie 50% des patients. Est-ce que vous parliez donc de ceux qui ont survécu et qui sont forcément encore dans des lits? Je veux dire, c'est la même chose partout. Quand on fait un taux de mortalité, vous êtes scientifique également, vous savez comme moi, soit on a la chance rétrospectivement d'intégrer sur un an, soit on le fait en temps réel, et puis ça a une valeur à intenter. Puis finalement, c'est la même chose un peu dans toutes les institutions. C'est comme ça qu'on a suivi, avec les chiffres d'incidence, prévalence, avec des taux de mortalité, l'évolution du Covid-19. Et puis, il y a cette histoire de tocilizumab. Vous êtes allé très vite également, le 27 avril, à déclarer que c'était très bien, très positif. Vous avez même dit que c'était éthique, finalement, de le dire dans un cadre un peu prospectif comme ça. Néanmoins, il y a eu cette démission en bloc du comité de suivi le 30 avril. J'aimerais savoir si ça a eu un retentissement sur l'évolution de cette étude, également comme ma collègue Martine Vonner. Et puis, simplement, vous êtes allé vite sur cette lettre, mais finalement, en accusant le professeur Raoult de propos diffamatoires, et moi je m'inquiète qu'en allant vite comme ça, vous vous mettiez à risque d'être vous-même diffamatoire sur le professeur Raoult. Simplement, je pense qu'il serait juste qu'on apaise ces choses-là, et puis qu'on n'aille pas dans des histoires de personne à personne. Je pense qu'on a tous à gagner, y compris à admettre les erreurs, et même si la photo d'une surmortalité à un moment donné dans un endroit ou un autre existe, il faut savoir pourquoi, comment, et le but, ce n'est pas de s'accuser les uns les autres. Merci. Je pense que le rôle d'un directeur d'un grand établissement de santé confronté à la crise, ce n'est pas de savoir s'il se met en colère ou pas.
savoir si c'est, s'il est à l'écoute des inquiétudes et des colères et s'il prend les mesures pour les protéger. Soit les mesures internes, soit en demandant les mesures. Je pense que vous m'avez peut-être entendu aller dire qu'il y avait un moment où, effectivement, si on ne débloquait pas un certain nombre de choses, on pouvait être en risque. Je pense que j'étais dans mon rôle. Ma question n'était pas de piquer une colère, ni d'être sourd aux colères. Et comment est-ce qu'on a fait pendant toute cette période? Et j'étais encore ce matin avec le comité technique d'établissement, avec les différents représentants qui reconnaissaient, ça sera au PV, que la manière qui rendait hommage à la direction pour la transparence, l'écoute et la prise en cas, et la prise en compte des préoccupations. Avec des choses qu'on a réussi, d'autres qu'on faisait moins bien, mais avec un souci permanent de partager la transparence, on réunissait les représentants élus des personnels plusieurs fois par semaine en conférence téléphonique pour en dire où on en était avec les stocks, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on attendait, comment on faisait avec les uns et les autres, justement pour ne pas imposer des mesures qui auraient été cachées par je ne sais quelle intention ou de cacher nos difficultés. Ce que je sais dire, sans avoir fini le rétex, que le facteur le plus limitant avant les conditions matérielles ou les conditions spatiales, ce sont les personnels. Et que d'emblée, on peut dire qu'on doit faire un travail sur la réserve, sur comment les réserves se constituent, les réserves de personnel, comment elles sont actionnées, comment on forme. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est pour ne pas se retrouver en difficulté quand on a à augmenter le nombre de lits de réanimation, on doit avoir des personnels hors réanimation qui restent formés à la réanimation, qui sont passés quelques semestres ou quelques années en réanimation, qui sont peut-être dans une autre unité, dont on maintient les compétences, dont on maintient la formation, qui sont, entre guillemets, réquisitionnables au cas où, dont on reconnaît l'effort d'être formé, de participer à des exercices, et qui puissent... Voilà, ça me paraît majeur, ça me paraît faisable, ça ne nécessite pas des investissements pendant des années, et c'est des choses qui font la différence pour être moins dépendant des tensions qu'il peut y avoir sur les personnels. S'il y a quelque chose d'essentiel, il me semble qu'elle est là. Et je l'ai trouvé, on entend souvent des prises de parole davantage sur les conditions matérielles, alors que les conditions en personnel me semblent majeures. Ensuite, vous m'avez demandé si j'ai donné des consignes pour ne pas donner de l'hydroxychloroquine. La réponse est non. Nous n'avons pas donné de consignes pour ne pas donner de l'hydroxychloroquine. D'abord parce que nous n'avons pas besoin de donner de consignes pour que les médecins prescrivent. Et je crois n'avoir jamais donné moi-même, sauf des consignes élaborées. En tout cas, pendant la crise, les seules consignes qu'on donnait étaient élaborées conjointement par les représentants médicaux. Nous n'avons pas donné ces consignes-là. Vous pouvez avoir d'ailleurs l'augmentation de la consommation de Plaquenil dans les hôpitaux d'Île-de-France pendant cette période-là par rapport à la consommation normale. Nous avons bien fait un texte commun avec les représentants de la recherche, de la clinique, le directeur médical de crise, pour rappeler que quand on utilisait un médicament en dehors des règles d'utilisation prévues d'un médicament, il fallait le faire dans un cadre collégial, non pas pour l'interdire ou non pas pour le promouvoir, mais pour qu'il y ait un cadre collégial prenant en compte l'ensemble des données, c'est-à-dire les risques, les bénéfices, l'intérêt plutôt de pouvoir sauvegarder les possibilités de tester des médicaments plutôt que de se retrouver avec un usage des médicaments qui fait qu'on se retrouve 3 mois après sans un embryon de réponse à la question « est-ce que c'est efficace ou non efficace ?» Sur l'essai dit « Corimuno », dont l'un des bras est l'utilisation de ce médicament qui s'appelle le tocilizumab. Nous avons effectivement, et moi pas tout seul, avec les investigateurs, avec les responsables de ce programme,
donné des données relativement prudentes le 27 avril faisant état de résultats prometteurs. Dans ce dilemme qui est-ce qu'on attend que les résultats soient publiés ou est-ce que si on voit des éléments qui ont un élément particulier, on le partage avec l'ensemble des acteurs. S'en est suivi une polémique, une démission, on a renommé un comité, l'essai a été prolongé, monitoré, sera publié, et nous avons pris l'engagement, pour éviter les polémiques, de ne pas recommuniquer sur ces résultats avant la publication scientifique, dont j'espère qu'elle se fera bientôt et qui permettront d'avoir des réponses aux inquiétudes que vous formulez. Mais ce que nous avons fait, c'est effectivement pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. Ensuite, on m'interroge en disant « Est-ce que je suis prompt à répondre trop vite ?» Alors, soyons précis. Mon rôle n'est pas de faire la politique des pourcentages ou la politique des statistiques. Et si un des experts que vous aviez auditionné, sans prendre parti ou sans vouloir attaquer ou sans vouloir défendre une thèse, avait dit il y a un certain moment où le taux de mortalité était environ de 40%, de 41%, de 45%, hein, j'aurais pas écrit. Là, on est dans un cas tout à fait différent. On est dans un cas dans lequel, à l'appui d'une thèse voulant dire qu'on a mal traité les malades, on prend effectivement une diapositive non valide du fin juin du 14 avril, comme les Américains qui, à un moment donné, ont publié un taux de mortalité de 80% dans leur réanimation, puis ont dit, en fait, voilà, c'est pas le vrai taux, etc. Ces choses-là sont... Nous, on a fait le choix, jour après jour, d'avoir des tableaux de bord pour suivre ce qui se passait jour après jour. Vous pourriez, au contraire, me reprocher de ne pas avoir de tableau de bord jour après jour sur ce qui se passait. Et je peux vous fournir l'ensemble de ces tableaux de bord, y compris la série des tableaux de bord jour après jour, pendant les 90 jours de crise, avec les 50 pages de ce tableau de bord sur l'ensemble des données qui permettent d'être faites et les interprétations qu'on en donnait pour pouvoir aider à piloter cette crise. Donc s'il s'agissait simplement de ça, j'aurais pas fait mon rôle, encore une fois, n'est pas de faire la police des pourcentages. Mais si c'est pour induire la commission d'enquête sur une piste dans laquelle, en prenant une donnée, un jour donné, biaisée et partielle, en la comparant à une autre dont je ne connais pas la source, pour dire que les 100 000 personnes des hôpitaux parisiens ont maltraité les patients, les ont pas bien pris en charge, ont assuré un taux de mortalité plus élevé qu'ailleurs par leur pratique thérapeutique et la manière dont ils travaillent, là, c'est mon rôle de réagir promptement et de réagir, effectivement, en vous donnant les données. Je vous ai donné les données avec leurs limites, les données de Civic, les données actuelles, les données maximales, les données et les raisons dont on les... et les éléments qui les font varier, qui sont différents de ce que j'ai lu et entendu dans la mise en cause de l'assistance publique et des 39 hôpitaux que nous formons. Merci. Nous allons poursuivre avec Jean-Jacques Gauthier. Merci, Madame la Présidente. Trois points sur les taux de mortalité. On ne va pas opposer les soignants et les établissements entre eux dans une sorte de compétition macabre, funèbre et funeste, mais simplement de constater que ces taux de mortalité, vous l'avez dit, évolue et surtout que ces taux de mortalité ont été plus graves qu'observés habituellement, plus graves qu'estimés au départ et plus graves qu'annoncés par M. Salomon le 17 avril, puisqu'il est chiffré à 10%. Donc des taux de 30, 35%, 40% ont été observés, vous l'avez dit, et le professeur Combe, d'ailleurs, de la Pitié-Salpêtrière, l'a dit aussi fin juin, le 27 juin.
Sur les tests, je voudrais vous interroger sur la stratégie de dépistage, alors pas tellement sur le personnel, les agents, mais sur la population, sur le nombre de personnes testées au niveau de la population à ce jour, à la fois en valeur absolue, mais surtout en cinétique. Est-ce qu'il y a eu une montée en puissance? À partir de quand avez-vous testé les premiers publics? Et surtout, à partir de quand avez-vous testé des patients asymptomatiques, et pas uniquement ceux hospitalisés en réa, qui sont évidemment potentiellement contagieux. Et puis, dernière question sur les transferts sanitaires, ça s'adresse d'ailleurs à la fois à l'Île-de-France et au Grand Est. Question toute simple, pouvez-vous nous certifier qu'il n'y avait pas de place en hospitalisation privée pour tous les patients transférés à l'autre bout de la France ou à l'étranger? Nicolas Desmoulins. Merci. J'aimerais revenir sur les évacuations sanitaires et simplement pour que vous soyez un tout petit peu plus précis. Vous avez parlé de transferts liés, bien sûr, à des problèmes d'effectifs de lits, mais surtout de soins adaptés, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez simplement détailler un parcours pour comprendre un peu comment ça fonctionne au niveau de ces transferts? Certains patients ont été transférés en Occitanie, en Aquitaine. Et d'autre part, donner des petites précisions sur le processus de décision de ces transferts. Merci. Merci. Boris Vallot. Je dois dire qu'en vous écoutant, à la fois on sent que ça a été extrêmement mobilisateur, extrêmement prenant, très difficile, mais on a du mal à identifier finalement où ont été vos difficultés, puisque vous les avez surmontées, en tout cas c'est ce que vous nous dites, pour préparer l'avenir. Et même si j'ai bien compris, on conçoit que les retours d'expérience sont en cours, qu'on a évidemment aucune certitude sur l'hypothèse d'une seconde vague, il faut, pour ce qui nous concerne, nous aussi, l'envisager. D'où, moi, ma demande d'avoir des réponses aussi précises que possible sur la question des stocks stratégiques. Il y a un débat sur les stocks. Est-ce qu'ils ont fait défaut? Est-ce que finalement, il faut reconstituer des stocks stratégiques d'État en FFP2? Est-ce que vous-même, vous devez avoir des stocks beaucoup plus importants? Considérez-vous que la PHP était prête à gérer cette crise sanitaire? Considérez-vous que l'austérité budgétaire a eu une incidence sur la gestion de cette crise? Quelles initiatives vous semblent opportunes à garder? Et quelles leçons tirez-vous de la crise? Je vous remercie. Sur les évacuations sanitaires, deux éléments de réponse. Premièrement, sur le processus de décision, en tout cas pour la région Île-de-France, nous avons demandé des évacuations sanitaires. Et ensuite, nous avons obtenu l'accord de l'ARS et du comité Chorus du ministère, à la fois sur le nombre et sur les régions de destination, dans une discussion sur comment faire en sorte que les régions restent disponibles pour leurs propres patients, ou que l'Île-de-France ne soit pas favorisée par rapport à l'Est, etc. Donc il y a eu un processus de décision relativement rapide, mais à partir d'une analyse, et d'une analyse qui répondait à une seule obsession, en fait. Nous, notre obsession, ce n'était pas de se retrouver à connaître le moment où on serait dépassé par rapport à nombre de malades, par rapport à nombre de prises en charge, compte tenu des ouvertures que l'on faisait, et de ne pas jouer à pile ou face, et de ne pas attendre le dernier jour pour se dire « là, on a mis le dernier malade dans le dernier lit disponible ». Donc c'est pour ça que, quand on a vu que notre visibilité par rapport à la cinétique du nombre de malades à prendre en charge et du nombre de lits disponibles se réduisait à quelques jours, à une semaine, de se dire « c'est ce moment-là qu'il faut déclencher les évacuations sanitaires qui ont été faites ». Sous l'autorité du professeur Ryu, sur des critères médicaux de gravité, c'est-à-dire à la fois pas trop grave par rapport aux conditions de transport et de malades ayant besoin de réanimation pour pouvoir permettre à d'autres patients d'accéder à la réanimation dans les jours qui suivaient, et avec systématiquement l'accord des familles, bien évidemment, et avec un suivi qu'on a mis en place d'emblée, de telle sorte qu'il y ait un suivi médical de liaison entre nos équipes médicales et les équipes médicales d'accueil, ce qui nous a permis à tout moment
de savoir où étaient nos patients, comment ils allaient, à quel moment ils pouvaient éventuellement revenir et quels étaient leurs devenirs dans les trois filières que vous avez évoquées. Vous m'avez dit qu'on donnait l'impression d'avoir surmonté les difficultés. Et du coup, est-ce que ces difficultés existaient ? Je voudrais que ça soit clair. Oui, les difficultés étaient immenses. Je ne sais pas si on les a toutes surmontées, mais on s'est mobilisé pour le faire. Nous n'avions pas connaissance à ce moment-là, au tout début de la crise, de quels étaient l'état des stocks nationaux par rapport à ceux dont on avait connaissance il y a quelques années. C'est des choses probablement qu'on a découvertes en même temps que vous. Vous nous avez demandé si l'hôpital Nord avait obéré la capacité d'équiper. Non, puisqu'il n'est pas encore construit. Donc on n'a pas encore dépensé d'argent pour l'hôpital Nord. Mais si j'élargis la question en disant est-ce qu'effectivement le besoin de financer des investissements a des répercussions sur notre exploitation courante, la réponse est oui. La réponse est clairement oui. Et c'est pas un scoop, quoi. Et nous avons fait ces dernières années l'effort de ne pas obérer le futur en maintenant un taux d'investissement extrêmement important, parce qu'il faut renouveler le matériel, parce qu'il faut avoir des équipements qui soient à jour, parce qu'il faut avoir des normes de sécurité dans nos hôpitaux, parce qu'il faut refaire un certain nombre d'hôpitaux. On a un taux de vétusté qui est élevé, de faire en sorte que ça ne diminue pas. Et du coup, c'est un effort supplémentaire sur l'exploitation courante. Ça, c'est clair, évident, et ce n'est pas un scoop d'aujourd'hui. D'où l'importance de pouvoir refinancer un certain nombre d'investissements en maintenant l'exploitation courante forte, ce qui me permet de faire le lien avec votre question sur l'austérité budgétaire que vous avez posée. Moi, je dis ce que je dis depuis plusieurs années. Je dis que l'hôpital, je l'ai écrit dans un livre il y a 3 ans, l'hôpital public français court un risque depuis des années compte tenu du salaire des paramédicaux. Pas attendu la crise pour regarder quelle était la comparaison ou pour entendre la colère des personnes qui travaillent à l'hôpital et leurs difficultés de logement, qui est probablement plus aiguë en région Île-de-France que dans d'autres régions. J'observe toujours que dans les autres pays, les rémunérations ne sont pas identiques pour tous les métiers, toutes les contraintes et toutes les régions. On tient compte du coût de la vie. Je pense que c'est assez logique de tenir compte du coût de la vie, du coût du logement, pour fixer les rémunérations, et que si on n'en tient pas compte, on a des effets qui sont des effets délétères, là où le coût de la vie est élevé. Cet élément-là, si vous suivez mon raisonnement, qui est de dire que ce qui nous a mis le plus en risque, qui me permet de répondre quand vous dites « est-ce que vous estimez que vous étiez prêt ?» Le 1er mars, je vous aurais répondu non. Je pense que bien... pourquoi je vous aurais répondu non ? Non, parce que un certain nombre de lits de soins critiques fermés pour défaut de pour manque de personnel, etc. Donc, j'ai toujours reconnu que nous n'avions pas abordé la crise dans les meilleures conditions. Est-ce que, à la fois, les efforts, pardon de répéter, mais remarquables de l'ensemble des équipes, qu'elles soient administratives, techniques, soignantes, toute catégorie, a compensé en partie cela ? Et deuxièmement, les conditions dans lesquelles nous avons pu travailler pendant ces périodes-là, c'est-à-dire de pouvoir, effectivement, déroger un certain nombre de choses, pouvoir faire appel à un certain nombre de renforts, disposer des primes. J'ai pas répondu tout à l'heure. Je pense que je suis un des premiers à avoir demandé publiquement à ce qu'il y ait des primes pour les personnels qui travaillaient dans ces services-là, parce que ça me paraissait juste justice. Et je trouvais ça compliqué de demander aux gens d'aller travailler dans des conditions aussi difficiles sans leur dire qu'ils seraient tenus compte de cela. J'ai pas répondu complètement, mais j'en profite. On a fait en sorte de payer rapidement la prime fin mai.
et puis ensuite de regarder quels sont les cas dans lesquels elle aurait dû être payée et pas être payée, mais plutôt de payer, je pense, 90% des primes fin mai pour que les personnels qui étaient en surcharge de travail depuis février n'attendent pas juin ou juillet, qu'on ait regardé chacun des cas individuellement. Et puis, s'il y a des rattrapages à faire, on fera bien évidemment ces rattrapages. Et dans des conditions dans lesquelles le fait d'être écarté du travail parce qu'on a eu le Covid n'écarte pas de la prime. En revanche, une personne qui était en congé maladie pour une autre raison pendant cette période-là n'est pas éligible à cette prime parce qu'elle, voilà, elle, de la même, comme le décret le prévoit. Est-ce qu'il y a des innovations qui sont nées pendant cette crise qu'il faut garder ? La réponse est trois fois oui. Je vais être très rapide, mais je vous enverrai des documents. Covidome a permis à la médecine de ville et à la médecine hospitalière de travailler ensemble, de faire de la télésurveillance, de prendre en charge des patients dans des conditions de bonne qualité sans qu'ils aient à se déplacer. Et ce genre d'initiative, dont on trouvera le prolongement dans le service d'accès, ce qu'on appelle le SAS, et on travaille avec les collègues libéraux pour pouvoir donner une suite à ces modes de fonctionnement. Je pense que la crise a montré qu'on savait le faire ensemble, qu'on savait le faire dans des conditions de qualité et de sécurité soins fortes. Le programme Covisan n'est bien évidemment pas interrompu maintenant. Il a montré aussi qu'on savait former des personnels rapidement, qu'on savait mélanger des personnels et des renforts et des volontaires, qu'on savait faire toute une série de choses qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Pour ce qui nous concerne à l'assistance publique, nous avons monté un fonds qui s'appelle le fonds Après, où nous demandons à celles et ceux qui ont pris l'initiative, certaines que nous ne connaissons pas, de pouvoir les déclarer pour pouvoir les financer pour les prolongements, pour les prolonger, et qu'elles ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres qui pourront peut-être faire école ailleurs, comme il y a des choses qui sont faites ailleurs et qui font école à l'assistance publique. Monsieur le directeur de la PHP, vous avez évoqué tout à l'heure dans les enjeux, dans les difficultés, la question du personnel, évoquant la constitution d'une réserve plus élaborée peut-être, mais vous avez ouvert une piste en disant qu'il faudrait plus de souplesse. Qu'est-ce que ça signifie, la souplesse, sur le statut du personnel, sur les capacités à recruter de façon plus facile, de rémunérer de façon plus facile? Et comment vous définiriez cette notion de souplesse? C'est une piste importante, je pense, dans les propositions que nous serons amenés à formuler. Je vous propose d'utiliser la faculté que vous m'avez octroyée et de proposer aux médecins de répondre. Donc, je vais m'exprimer. Donc, je suis effectivement, en termes de souplesse de recrutement, c'est une chose. Je pense que le point, par exemple, si on s'intéresse au personnel de réanimation, on a reconnu au cours de cette crise à quel point leurs compétences étaient spécifiques et qu'un infirmier ou une infirmière de réanimation disposait de compétences et d'aptitudes à les mettre en œuvre très spécifiques. Il y a actuellement une démarche qui est soutenue par les sociétés savantes qui essaye effectivement de permettre de reconnaître qu'il y a une compétence spécifique. Qui dit reconnaître qu'il y a une compétence spécifique dit probablement pouvoir le reconnaître aussi financièrement et pouvoir tout à l'heure, Martin Hirsch, je vous parlais de la NBI et des primes, et de pouvoir effectivement noter que ces gens-là ont des compétences supplémentaires et donc pouvoir le reconnaître. Pour l'instant, par exemple, typiquement, ce n'est pas possible. Une question, une membre du conseil scientifique que vous connaissez bien, Lila Boadma, nous a fait part de ses critiques sur les respirateurs qui ont été commandés un peu en urgence, en disant qu'ils étaient totalement inadaptés. Puis une question peut-être sur le rapport de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui est sorti, qui évoquait, on va auditionner les SAMU, mais c'est en disant que le taux de réponse... Le délai de réponse, pardon, était de 45 minutes pour le SAMU de Paris et de 37 minutes pour le SAMU 95, pointant une perte de chance, notamment pour les malades qui n'étaient pas concernés par le Covid. Donc, bon, je sais qu'il y a eu des réponses officielles qui ont été faites, mais peut-être rapidement votre appréciation sur ces questions très médicales, quoi, sur ces deux points.
Dans les respirateurs qui ont été commandés, un certain nombre venaient de réserves anciennes, qui étaient de la réserve Épruce et qui avaient été constituées à un moment où on pensait qu'on aurait besoin de respirateurs, notamment pour faire face à des attaques toxiques. Et donc avec des respirateurs assez simples, qui effectivement, sur les patients qu'on avait dans le cadre de la crise Covid, étaient insuffisants. Néanmoins, ces respirateurs, on n'a pas eu à les utiliser. Et donc, on a pu faire face à des respirateurs intermédiaires. Alors, ce n'était pas les super haut de gamme, mais des respirateurs intermédiaires. À titre d'exemple, ces respirateurs intermédiaires qui ont été commandés ont équipé entièrement le nouveau bâtiment qu'on a ouvert à la PHP, à Henri Mondor, qui était équipé, tous les lits étaient équipés avec ces respirateurs. Je vais terminer juste par une remarque sur la critique qui est « les SAMU ont été débordés ». L'augmentation x4 dans certains SAMU, si vous regardez au niveau national l'augmentation des appels vers le 18, c'est au maximum, à ma connaissance, de l'ordre de 1,2. Comment imaginer que si les SAMU avaient été réellement débordés, que les patients n'arrivaient pas à joindre un SAMU, qu'ils ne se soient pas immédiatement répercutés sur d'autres numéros d'urgence et que ça ne se soit pas vu? Or, ceci n'est pas survenu. Vous venez d'écouter l'audition de Christophe Gauthier, directeur du CHU de Strasbourg, et de Martin Hirsch, président des Hôpitaux de Paris. Le patron de la PHP a largement démenti les accusations de Didier Raoult. Je réfute ce qui a été dit sur notre négligence ou notre incompétence. C'est faux. Faux, la PHP n'a pas laissé repartir chez lui un patient malade. Faux, le taux de mortalité en réanimation n'était pas de 43% à Paris et de 16% à Marseille, comme l'expliquait le professeur marseillais. Cette audition et toutes celles menées par la commission d'enquête sont à revoir tout l'été sur LCP et sur notre site internet lcp.fr.